Salut à tous! Quoi ça? Non, c'est juste une casquette, les avis, que vous allez pouvoir gagner en fin de vidéo. T'as le mec, il tease juste pour que vous restiez jusqu'à la fin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, elle est un petit peu charnière au niveau de l'été parce que je vais partir en vacances et du coup, j'ai envie de vous tenir au courant des différents projets et des différentes vidéos qui vont arriver. Je suis excessivement fatigué, entre le travail, les vidéos, les prestats, je suis vraiment... Ça tire, alors j'en fais pas des milliers parce que le mec, on va croire que ça y est, il va faire des prestats. Non, mais en tout cas, tout ce que j'ai fait, ça m'a fatigué. Mais vous êtes pas forcément là pour écouter mes plaintes, quoi. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais partir en vacances pendant 2 semaines, mais les vidéos seront assurées, que ce soit celle du mardi ou du vendredi. Il y en aura toujours 2 par semaine. C'est un rythme qui est quand même... qui commence à devenir pesant parce que je suis, comme je l'ai dit, fatigué. J'ai un métier, j'ai des horaires. Et en plus, quand je reviens, bah en fait, si tu bosses dans la magie et que à côté, ta passion, c'est la magie, quand tu reviens du boulot, t'as pas forcément envie de parler magie encore. Donc, même si j'aime toujours ça autant, c'est vrai que ça... on commence à être fatigué, quoi. Bref, l'important, c'est que vous aurez toujours vos vidéos. Peut-être que je passerai à un rythme d'une seule vidéo par semaine bientôt, parce que, à terme, sinon, je vais mourir, hein, tout simplement. Donc, soit je garderai les avis. Je pense que c'est les avis qui sont un peu plus iconiques. D'ailleurs, la chaîne s'appelle Les Avis, donc on va quand même, je pense, garder ça. Je sais pas si les vidéos du mardi vous plaisent. Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'on continue? Est-ce que... ou une fois toutes les 2 semaines, on met une vidéo du mardi? Je sais pas, c'est à vous de me dire. En tout cas, j'essaierai toujours de faire au mieux pour que vous puissiez avoir votre dose de vidéos, hein, comme on dit. Et puis, on va parler des futurs projets. N'oubliez pas qu'il y a le concours. Du coup, les mises à jour. Les codes de parrainage sur Big Magie qui existaient à l'époque n'existent plus. Ni le code, le code je l'avais enlevé depuis longtemps, mais on pouvait toujours utiliser mon adresse mail et des petits coquins continuaient à bénéficier des réductions via l'adresse mail. Tout s'est arrêté. Le partenariat avec Big Magie a été... j'ai un petit chat dans la gorge, hein, comme on dit. Expression de merde. Non, voilà, le partenariat avec Big Magie est terminé, terminé, terminé. Il n'y a plus rien. Donc, n'essayez plus de rentrer les codes parce que ni vous ni moi n'allez obtenir de réduction ni de récompense liée à tout ce process-là. Si jamais vous voulez me soutenir vraiment en ce moment, c'est les liens dans les descriptions des vidéos. Je mets toujours des liens pour aller acheter les produits chez Magic Dream. Bon, j'ai un petit peu le truc biaisé de c'est la boutique pour laquelle je bosse. Et on essaye toujours de vous proposer les meilleurs produits, les vidéos en français, vous dénicher les petites perles, faire des prods qui nous intéressent. Bref, comme d'habitude, si vous voulez me soutenir et que ça ne vous coûte rien, vous pouvez passer commande en cliquant sur les liens dans les descriptions YouTube. C'est très très important pour moi. C'est vraiment hyper important. Si jamais vous voulez faire un petit geste comme ça, ça va rien vous coûter de plus, mais ça va signifier beaucoup pour moi. Donc voilà, si vous voulez faire ce petit geste-là, vous pouvez le faire et au moins vous êtes informé. Deuxième information, j'ai de nombreuses vidéos qui arrivent. Alors c'est notamment des vidéos du mardi, c'est pour ça aussi que j'étais un petit peu en train de penser est-ce que je regarde les vidéos du mardi ou pas. On va parler d'artisans français, il y aura la fée des balles, on va parler de Charlie, on a une double vidéo qui va sortir, donc un petit peu comme voilà, avec un volume 1, un volume 2 sur 2 semaines. Avec la fabrication d'objets en cuir dans son atelier. On a eu la chance avec Pauline, ma copine, d'aller dans son atelier. On a pu fabriquer des objets incroyables et on a... merci beaucoup à Charlie qui nous a autorisé de filmer tout ça. Donc on a pu filmer et vous allez voir tout le process, je trouve ça génial. Ça c'est vraiment une des vidéos les plus cool que j'ai eu à tourner et c'est... je regarde pas mes vidéos d'habitude, je ne regarde pas, sauf si je veux une information ou autre. Mais celle-là, c'était tellement intéressant et je trouve que ça fait un peu Fred et Jamy la vidéo, hein. C'est en mode ah tiens on fait ça, mais c'était tellement intéressant que moi je peux la re-regarder sans problème même si c'est ma vidéo, donc c'est vraiment hyper stylé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a une vidéo qui me plaisait beaucoup, que j'avais jamais eu le temps de faire, ni jamais eu l'occasion de faire parce qu'il fallait vraiment un alignement de planètes pour pouvoir la faire. C'est une vidéo sur la création de tours de magie. En gros, je vais vous emmener sur une création de tours de magie. Donc, du point A, pourquoi, comment vient l'idée, la conception des prototypes, de la routine, ensuite la conception des gimmicks, ensuite la fabrication des gimmicks, et ensuite le trailer, enfin pas le trailer, parce qu'il y aura malheureusement, j'ai pas les compétences et je connais personne vraiment qui puisse faire un trailer en peu de temps et pour juste pour le côté vidéo, parce que ce tour dont on va parler dans cette vidéo là, il sera pas à vendre forcément. Donc il y a Yannick qui a beaucoup travaillé sur les visuels des gimmicks et sur le visuel du packaging, donc on est en train de travailler là-dessus en ce moment, et la vidéo sortira sûrement courant septembre ou octobre pour la rentrée en tout cas. Donc voilà, je voulais vous montrer le process de A à B, ouais, le mec il s'arrête très vite quoi, de A à Z, et puis pourquoi pas, le tour vous plaira et puis on en vendra des milliers et puis on viendra riche et puis
Puis je m'achèterai une maison, peut-être dans la campagne, dans la Creuse. Non, je déconne, j'irai en Bourgogne. Du coup, prochaine mise à jour, on a parlé des vidéos à venir, on a parlé du statut des bons d'achat, de tout le bazar. Qu'est-ce qui nous manque? La casquette, les avis d'Alexis. Mais oui, parce que... C'est dommage, je vais mourir, la vidéo se termine ici. Putain, le mec est un acteur hollywoodien, quoi. Du coup, la casquette des avis est disponible pour personne, tout simplement. Le mec balance des infos comme ça qui ne sont pas vraies. Un gros merci à Yannick, vous avez sûrement vu qu'on a fait... On a fait une refonte de la charte graphique des avis, donc maintenant le logo dans les avis va changer, c'est celui-là. On garde les oreilles de lapin, ça c'est les oreilles de lapin, et là c'est le L et le A des avis, donc LA, LA, laser V. Et oula, ça commence à devenir un petit peu fatigant ton temps de voix, Alexis. Et du coup, je suis vraiment content du résultat, on a fait faire des casquettes parce que c'est l'été, parce qu'il fait chaud et parce qu'elles sont méga stylées. Moi j'ai pas une tête à casquette et pourtant je trouve que celle-là me va plutôt bien, donc voilà, si vous croisez des gens dans la rue avec ces casquettes-là, c'est que c'est des mecs qui ont sûrement du swag. Parce que le swag, c'est une expression de 2008. Bref, pour l'instant, elles ne sont pas disponibles, j'en ai quelques-unes, donc c'est du Beachfield, donc c'est de la bonne qualité, on a voulu faire quelque chose de très très propre, et le logo est fait par Yannick, le seul et l'unique. Du coup, pour la gagner, il vous suffit de mettre un petit commentaire, qu'est-ce qu'on va faire comme concours? Mettez un commentaire... N'importe lequel, mettez ce que vous voulez en commentaire, voilà, c'est les vacances, je suis fatigué, mettez ce que vous voulez en commentaire. Et puis, commentez cette vidéo, un seul commentaire par personne évidemment, et je tirerai au sort, vu que je pars en vacances en fin de semaine, je vais tirer au sort ça jeudi, et j'enverrai la casquette, ou mercredi soir, donc là, la vidéo est postée mardi matin, vous avez tout mardi et tout mercredi pour participer, mais à partir du mercredi soir, je tirerai au sort pour avoir le plaisir de nommer un gagnant, et de surtout lui demander son adresse pour pouvoir l'envoyer jeudi, parce que après, c'est fini, c'est les vacances pour 2 semaines, et puis au final, si je vous l'envoie ça en septembre, bon bah c'est quand même plus trop la période. Donc voilà, la casquette des avis à gagner. Et puis pourquoi pas, si jamais vous n'avez pas gagné la casquette au bout de ces 2 jours de concours, bah mettez-moi un petit email, l'adresse est dans la description, c'est dlf.alexis@gmail.com, et vous pouvez peut-être, on pourra s'arranger pour que vous en ayez. Je balance ça, donc vous pourrez peut-être avoir la casquette des avis. Pour l'instant, il n'y a que Yannick et Charlie qui en ont une. Je vais sûrement donner une à Guillaume et à David, les amis de toujours. Et puis un petit peu de ma famille qui en ont aussi, parce qu'ils ont trouvé le motif assez cool. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui est intéressant, qui est plus pour la blague qu'autre chose, mais ça me faisait plaisir de pouvoir vous offrir des goodies, les avis, et puis pourquoi pas de vous en faire profiter par le futur, via d'autres concours, ou si vous voulez en avoir une, n'hésitez pas à me contacter. Il y en a très très peu. Voilà, la vidéo est terminée. C'était une petite vidéo mise à jour, pas forcément intéressante au niveau de la magie, mais plus au niveau des projets, de tout ce qui va se passer. On va essayer de recharger ses batteries en vacances. D'ailleurs, profitez bien de vacances pour ceux qui ont la chance d'y être et d'en avoir. Sinon, pour ceux qui sont au travail, bah, force à vous, prenez des pauses, reposez-vous. Et puis voilà, tout simplement, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur différents aspects des vidéos. Et puis on se retrouve vendredi pour un nouvel avis. Alors l'avis de vendredi, ça va être sur Hold Up, le mec tease hein, comme problème. Parce qu'en fait, je vais les tourner, on est samedi, on est le 3, je crois, ou le 4, 3 août. Et je vais tourner plein d'avis pour pouvoir avoir assez de tampons jusqu'à mon retour de vacances. Et après, parce que je vais déménager aussi. Oh là là, donc le décor va changer. Trop d'infos dans cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. À vendredi pour un nouvel avis. Bisous, bisous.